Expérimentation dans l'Académie de Versailles, la e-éducation consiste à enseigner et apprendre avec le numérique pour inclure tous les élèves dans les apprentissages. Près de 200 équipes s'engagent avec trois objectifs. Rendre l'élève acteur, repenser le temps et redéfinir les espaces. La e-éducation permet de rendre l'élève acteur de son parcours scolaire. Les enseignants mettent en scène des parcours en ligne, en présence ou à distance. Chaque élève peut manipuler les savoirs. Les connaissances font l'objet d'activités. La mémorisation est facilitée. La force de cet engagement repose sur de nombreux axes, tels que le droit à l'erreur, le sentiment de compétence et le sens du jeu que l'enseignant développe dans ses parcours. L'apprenant évolue dans un environnement numérique conçu pour éveiller son sens critique en toute sécurité. La e-éducation permet de repenser le temps. Le continuum d'apprentissage englobe l'avant, le pendant et l'après-classe. Dans les parcours, l'élève avance à son rythme, avec un accès au savoir progressif et adapté. Dans une logique d'apprendre à apprendre, l'enseignant favorise les méthodes de mémorisation, de révision ou encore de raisonnement. Les outils de suivi permettent d'instaurer un système d'évaluation-remédiation. Classes inversées, expérimentation, pédagogie de projet peuvent être mises en œuvre pour mobiliser tous les processus cognitifs. L'enseignant devient libre de redéfinir les espaces d'apprentissage. Il soutient et accompagne chaque apprenant de la classe. Les élèves peuvent se déplacer et devenir de plus en plus autonomes. L'espace n'est plus figé. Ils s'organisent par îlot pour développer des compétences identifiées ou se modulent au gré des besoins. Les élèves collaborent, communiquent et créent. Dans une dynamique de classe bienveillante et exigeante, enseignants et élèves co-construisent ensemble des méthodes qui font sens. La e-éducation, c'est enseigner et apprendre avec le numérique pour permettre à chacun de progresser aujourd'hui et de réussir demain.